Ce que vous venez de voir peut sembler à de la science-fiction, mais ça ne l'est pas. Ou plutôt, ça ne l'est plus depuis quelques années. Restez encore un peu et vous allez comprendre pourquoi. Ces 15 dernières années, on a vécu une formidable évolution technologique dans un domaine que peut-être vous ne connaissez même pas. Si je vous dis BCI, vous me dites... BCI veut dire Brain Computer Interface. En français, ça donne interface cerveau-machine. C'est un système électronique qui permet de connecter une machine à son cerveau et de la contrôler par la pensée. Ça existe depuis les années 90, mais c'est vraiment ces dernières années que ça s'est le plus développé. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a deux types de BCI. Moi, je préfère en dire qu'il y en a trois. Alors la première catégorie, c'est les invasives. Alors, comme son nom l'indique, on va ouvrir le crâne de la personne et on va lui mettre des petites électrodes à l'intérieur du cerveau avec laquelle elle pourra interagir avec la machine. Bon, tout ça, bien sûr, se fait dans un bloc opératoire avec des neurologues et des neurochirurgiens qui vont passer des mois à scanner, mesurer et bien analyser ton cerveau pour pouvoir être sûr de l'endroit précis où on va mettre les électrodes. Aujourd'hui, ces opérations sont exclusivement réservées à des patients qui ont un handicap très lourd. Avec ces électrodes, ils peuvent contrôler des moniteurs, des bras articulés, des fauteuils roulants, et tout ça, rien qu'avec la pensée. La deuxième catégorie, c'est les semi-invasives. Donc, semi-invasives, c'est parce qu'on va quand même ouvrir le crâne, donc c'est un peu invasif. Mais au lieu de mettre les électrodes à l'intérieur du cerveau, on va les mettre sur la dure mère, qui est une sorte de membrane protectrice du cerveau. Voici une dure mère. C'est un peu moins risqué, mais le problème, c'est qu'on va s'éloigner des neurones du cerveau. C'est comme vouloir écouter quelqu'un, mais séparé par une membrane. Là, vous m'entendez un peu moins bien. C'est sûr que tu comprends pas ce que je dis. La dernière catégorie, c'est les non-invasives. Donc là, on va pas ouvrir le crâne de la personne, mais on va utiliser un appareil que peut-être vous connaissez tous, qui est assez connu en fait, c'est l'EEG, l'électroencéphalogramme. On va mettre des électrodes sur le crâne de la personne, sur le cuir chevelu. Le problème avec cette technique, c'est qu'on est encore plus loin des neurones. Imaginez, c'est comme avoir le cerveau avec sa dure mère. Donc déjà là, on entend un peu moins bien. Et que le cerveau et cette dure mère, bah, ils sont à l'intérieur d'un crâne. Voilà. Donc là, non, j'entends pas. Cependant, c'est la technique la moins coûteuse, la plus pratique et la moins dangereuse pour les patients. Et c'est clairement l'avenir de la BCI. C'est vraiment une technologie incroyable, je trouve, et ça a complètement changé la vie de certains patients. That was amazing. I was waiting for that for 13 years to drink a beer by myself, you know. Aujourd'hui, il y a pas mal de laboratoires qui font plein de choses pour essayer de l'améliorer et de la développer encore plus, pour faire en sorte qu'on puisse écouter fidèlement ce que disent les neurones, tout en restant en dehors du crâne. Et c'est pas facile. Même si ces dernières années, la recherche scientifique s'est pas mal concentrée sur des applications plutôt cliniques des BCI, il y a de plus en plus d'équipes de recherche qui s'intéressent à une application un peu plus fun, comme les jeux vidéo. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, et notamment de cette petite étude qui a vu le jour l'année dernière. Et quand je dis petit, c'est bien sûr ironique, parce que c'est une étude de... C'est juste... Un groupe de scientifiques, dont la plupart font partie de University of Washington, ont voulu créer une BCI qui puisse permettre à trois joueurs de jouer ensemble à Tetris sans les mains et par télépathie. Bon, c'est pas vraiment de la télépathie, mais vous allez comprendre. J'imagine que vous connaissez tous Tetris, mais dans le doute, c'est un vieux jeu de puzzle où le joueur est mis au défi de réaliser des lignes complètes en déplaçant des pièces de formes différentes qui défilent depuis le haut jusqu'en bas de l'écran. Plus on avance dans le jeu, plus il accélère. C'est tout bête et c'est très addictif. Dans cette étude, il y avait trois joueurs. On va les appeler joueurs 1, 2 et 3. Il va y avoir une pièce qui va tomber et ils doivent déterminer si la pièce doit être retournée ou ne pas être retournée pour qu'elle tombe correctement vers le bas. Et pour ça, ils vont se répartir les tâches. Le joueur 1 et 2, c'est eux qui vont avoir un moniteur devant eux et qui vont prendre la décision si, oui ou non, la pièce, faut la retourner. Le joueur 3 ne va pas avoir de moniteur devant lui, et il va devoir faire confiance aux joueurs 1 et 2, qui vont lui communiquer s'il faut retourner la pièce, oui ou non. Je vous ai dit que dans ce jeu, il y avait une BCI, et c'est vrai, en fait, ces joueurs sont dans trois pièces différentes, et ils ne peuvent pas communiquer ni se voir. Alors, comment ils font ?
les joueurs 1 et 2, ils vont avoir un moniteur devant eux avec la figure et une question qui s'affiche sur l'écran. Souhaitez-vous retourner la pièce? Le joueur décide si oui, il faut la retourner, alors il regarde à droite de l'écran. S'il ne veut pas la retourner, il regarde à gauche de l'écran. Et en fait, ils ont tous les deux un EEG, un électroencéphalogramme, qui va détecter l'activité cérébrale due au mouvement des yeux à droite et due au mouvement des yeux à gauche. Cette information, elle va être envoyée au troisième joueur. Mais comment elle va être envoyée au troisième joueur? Par la fameuse télépathie. Et en fait, cette télépathie va être possible grâce à une machine que je trouve tout simplement incroyable, qui est la TMS, stimulation transmagnétique. C'est une bobine électromagnétique que dans cette expérience on a placée à l'arrière du crâne, au niveau du cortex occipital. C'est la région qui est responsable du traitement de l'information visuelle. Si par exemple vous arrivez à me voir là aujourd'hui, c'est parce que votre cortex occipital me crée. C'est cette partie du cerveau qui va créer mon image. Pour faire simple, on va dire que cette bobine électromagnétique va envoyer un signal magnétique qui va traverser le crâne et qui va activer un groupe de neurones spécifiques. Là, les scientifiques ont eu une idée assez époustouflante, c'est qu'ils vont utiliser la TMS pour envoyer un message au troisième joueur. Si le joueur 1 envoie la réponse « oui, il faut retourner la pièce », alors la TMS va activer quelques groupes de neurones qui sont dans le cortex occipital, ce qui va provoquer l'apparition d'un halo lumineux dans le champ visuel du troisième joueur. C'est un peu comme quand tu regardes une ampoule trop souvent et qu'après tu détournes le regard, bah t'as encore la trace de l'ampoule dans les yeux. C'est un peu pareil. Du coup, ils ont créé un système qui permet de créer des halos lumineux de forte intensité si la réponse est oui et des halos d'intensité plus faible si la réponse est non. Du coup, le troisième joueur qui est face à son moniteur va recevoir une première fois la réponse du joueur 1 et pareil pour le joueur 2. Ensuite, le joueur 3 va prendre la décision « Ouais, il faut que je la retourne. Non, il faut pas que je la retourne. » Et pour ça, comme avec le joueur 1 et 2, il va regarder à droite pour « Oui, il faut retourner la pièce. » Et à gauche pour « Non, il faut pas retourner la pièce. » Sauf que je vous rappelle, le joueur 3 n'a pas la figure sous les yeux. Donc il doit faire complètement confiance aux joueurs 1 et 2. Comme vous pouvez le voir, cette PCI est tout simplement incroyable. Ils ont appelé ça la BrainNet. C'est la première fois qu'on peut jouer comme ça en réseau et par télépathie. Mais bon, on est encore bien loin de pouvoir jouer une partie de Fortnite en se faisant aider par deux autres joueurs mentalement. Mais peut-être qu'on n'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, il existe de plus en plus d'investisseurs et d'entrepreneurs qui veulent commercialiser et développer les BCI au grand public. On a par exemple un entrepreneur pas très connu, Elon Musk, qui en plus de vouloir nous envoyer dans l'espace, il veut aussi faire de nous des hommes augmentés avec sa nouvelle entreprise Neuralink. Purpose of Neuralink is to create a high bandwidth interface to the brain such that we can be symbiotic with AI. On a aussi Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui a des objectifs similaires. Work around direct brain interfaces that are going to eventually one day let you communicate using only your mind. Il y a notamment de plus en plus de sociétés de jeux vidéo qui commencent à s'intéresser fortement à cette nouvelle technologie pour pouvoir proposer à leurs joueurs une immersion de plus en plus totale. I absolutely loved it. Alors dit comme ça, on dirait un épisode de Black Mirror. Et j'aimerais savoir un peu ce que vous en pensez. Toute nouvelle technologie apporte des bonnes choses et des moins bonnes. À mon sens, il faut qu'à la fin, la balance penche plus vers notre avantage. Mais à l'avantage de qui? Du plus grand nombre ou d'une infime minorité? Je me demande ce que cette technologie pourrait apporter aux youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes. Et surtout, n'oublie pas de mettre la petite cloche. Oh.